Et yo tout le monde, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du MindLP. Et aujourd'hui, eh ben, on est parti pour un épisode que je retourne. Alors il a un peu de retard, normalement il devrait sortir mardi 14 juillet. À savoir que cet épisode, je l'ai déjà tourné, mais j'ai eu un problème de son comme sur l'épisode précédent. Donc je vais le recommencer. Alors, je voulais d'abord vous montrer quelque chose par rapport à tout ceci. Vous voyez que j'ai récupéré quelques boules de neige avant de passer au véritable sujet de l'épisode. De quel droit il s'est permis de détruire mes pumpkins? Donc voilà, vous avez vu, j'ai pris des boules de neige, c'est parce que j'ai construit quelque chose de nouveau dans cet épisode que je voulais vous montrer rapidement, à savoir d'ailleurs que j'ai fait des changements sur les textures du jeu. Hop, alors c'est à l'étage. Et ça se situe, alors non plus là, mais vous le voyez juste à côté. Pourquoi? C'est pour faire tourner celui-ci beaucoup plus que je ne l'avais fait là, pour avoir une manière encore plus efficace plutôt de le farmer qu'avec celle-ci. Qu'il faut que je démonte, c'est une autre ferme à or, du coup vous l'avez compris, et en plus elle fait XP, donc c'est tout bénef. Alors par contre, faut aller assez haute. C'est un modèle, vous avez peut-être pu voir sur Holycube, à Pierre la fête. Modèle de Razework, il me semble que c'est le nom du youtubeur anglais, que j'ai légèrement adapté puisque lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transmet directement un piglin. Moi, j'ai envie de récupérer l'or, donc j'ai fait autre chose. Mais voilà, dans l'idée, c'est grosso merdo la même. Donc, je vais vous en montrer un peu son efficacité surtout, puisque c'est ça qui nous intéresse dans notre cas. Alors, une fois qu'on sera arrivé tout en haut. Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir patienter. Nous allons bientôt arriver à l'étage supérieur. Alors, le pire, c'est que je peux pas y aller avec des élytras parce que j'ai tout clôturé avec des vitres. Eh oui. Voilà. Donc, ici, c'est pour stocker nos snowballs. Et là, vous voyez, je stocke tout le reste. Alors, je garde les items. La Rotten Flesh, le Golden Ingot et les Golden Nuggets, grâce à un petit trieur que vous voyez derrière. Alors une fois qu'il sera plein, hein, on voit légèrement là entre les trucs, une fois qu'il sera plein, celui-ci en dessous, ça remplira là au-dessus. Et je veux juste vous montrer en spectator mode un petit quelque chose, le système de tri donc que je vais vous apprendre à construire dans cet épisode. Toute la machine en soi, c'est la même que le youtubeur anglais, sauf que ici l'entrée se fait pas par là derrière. Pour éviter que les pigmen ne tombent sur cette partie-ci, j'ai mis des barrières dans les chemins qu'ils prennent. Ça ne gêne pas du tout la ferme de chaque côté. J'en ai mis une ici pour qu'ils aillent pas se bloquer là, parce que sinon ils voulaient m'atteindre par ici pour qu'ils puissent faire le tour là et qu'ils aillent mourir dans le minecart là en dessous. J'ai rajouté juste ici un pigmen qui s'appelle Gilbert, vous le voyez très légèrement au-dessus, qui est enfermé comme ça, il garde l'aggro en permanence. Alors c'est moins utile sur en solo, mais sur serveur c'est bien. Et un système, bon alors il est un peu complexe, je l'ai un peu fait à l'arrache, un système qui permet en fait de vider directement dans de la lave, que vous voyez juste ici, tout ce qui m'intéresse pas, c'est-à-dire les bottes et tout ça, qui pourraient être lootés par les pigmen. Alors, je vais prendre quelques snowballs et je vais vous montrer l'efficacité de la machine. Alors, elle est un peu bruyante. Soyons clairs, elle est un petit peu bruyante. Vous vous mettez ici sur cette trappe et vous visez un pigmen qui sera notre victime. Voilà, Jean-Michel. Et vous voyez tout de suite, ils prennent l'aggro et ils arrivent. Là, ils commencent tous à courir. Alors l'autre là-haut, il donne l'aggro. Alors je vais parler un petit peu plus fort parce que ils vont faire beaucoup de bruit ces cons là. Et surtout le minecart fait énormément de bruit. Et vous voyez déjà l'XP qui vous monte à toute vitesse. D'ailleurs on peut réparer les items à vitesse grand V. Voilà.
Alors, faut savoir que eux prennent l'aggro avec. Il faut que je démonte encore l'ancienne usine. Parce que c'est jette dans les roues. Donc là, vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Et alors, quand on descend ici, vous pouvez d'ailleurs promettre ici si vous voulez. Voilà. Et il y a donc quand même deux bandes. Et si on regarde un petit peu. Ça a produit un tri. Faut laisser un peu le temps que ça arrive aussi. Dans le trieur. Voilà. Puisqu'il y a énormément d'épées qui lootent. Donc voilà, c'est. Faut attendre que ça vienne se ranger tranquillement. Voilà à ce niveau-là. Je voulais juste vérifier un truc. Le temps qu'on descende, si je fais Head Collection. Ah, il m'a arrêté. Alors, si je vais dans Nether. Ouais, il y a 0,2% de chance de looter. Excusez-moi, je me suis tué parce que j'ai éternué en même temps. Il y a assez peu de chance de looter. Ça arrive, mais on pourrait, je pense, le looter. Maintenant, il partirait directement se faire détruire dans la lave. Ah, pourquoi j'ai mis un système de lave? C'est pour éviter de tout balancer à l'étage du dessous. Et de le détruire. Enfin, et que ça traîne en fait au sol pour rien. Voilà, donc à ce niveau-ci, hein, ferme plutôt efficace et que j'apprécie. Alors, oui. Alors, ça, c'est tous ceux qui sont tombés de là. Qui m'ont laissé des trucs. C'est pour ça qu'il va falloir que je démonte absolument la ferme. Et donc vous voyez, c'est tout ce genre de loot que je détruis dans la lave. Et lui... Alors qu'est-ce qu'il va nous looter? Faisons-le tourner une fois. Il nous a donné du fil. Très bien. C'était pas réellement ce que j'aurais espéré, mais... alors on va retourner dans l'overworld alors qu'il y a lui qui vient de se transformer en spawner. Voilà, il lag. Même un gros lag. Parfait, et donc on passe à la deuxième partie de l'épisode qui est tout simplement le système de stockage. Puisque vous voyez, alors déjà un j'ai mis non alors un breaking sur celle-ci. J'ai eu mes 34 levels assez facilement avec l'usine qu'on a construite là-haut. Ensuite, je commençais à manquer de place dans certains coffres, plus savoir trop comment ranger certaines choses, et surtout en avoir marre de ranger certaines choses. Du coup, j'ai construit un étage en dessous, blablabla. Bon, c'est pas tout à fait fini au niveau de la déco. Et d'ailleurs, en parlant de déco, j'ai commencé la déco de cette salle-ci. Et donc, j'ai créé un système de tri. Assez simple je pense qui est le même que celui que vous avez vu juste avant et je vais vous expliquer comment il fonctionne en sachant que vous pouvez les coller puisque moi j'ai juste voulu ça va être histoire de décorer mais j'ai laissé de l'espace mais il n'est pas obligatoire. Voilà, donc voici un peu ce que je veux trier, les items type la cobble, le gravier, andésite, diorite, la stone, la diorite elle est là, le granit, la dirt, le sable, les différents types de bois. Pour le moment j'ai rangé que ceci. Voilà, donc. D'ailleurs je vais vous montrer comment ça fonctionne avec celui-ci après, on le mettra en fonctionnement. Mais en attendant, ah oui, et donc du coup les dérivés de chaque truc se trouvent en dessous. Donc la cobble par exemple, bah, les dérivés, les dalles, la cobblestone stair se trouve ici. Les walls ici et la mossy cobble ici. Sachant que ces trois là je dois les ranger manuellement. Même chose ici, il y en aura. Ou c'est peut-être plus parlant, la polychante visite, les stairs et peut-être les dalles là, ou les murets ici en dessous. Les trois à chaque fois coffre du dessous, c'est moi qui les range manuellement. Puisque vous aviez vu qu'il n'y avait pas de hopper qui passait derrière hein. Les hoppers s'arrêtent là au dessus. Voilà, tout simplement.
C'est-à-dire que le seul coffre qui est trié, c'est celui de tout en haut, donc par exemple ici le sapin. Comment est-ce qu'on construit tout ça? Alors sachant que j'ai fait aussi un petit mur pour mettre toutes les couleurs de Shulker Box et peut-être même plus, hein, on fera un mur à Shulker en fait, comme ça je mets mes items que j'ai besoin, je casse la Shulker, je la prends et je me barre. Voilà, comme ça c'est simple. Voici comment ça fonctionne. Alors, voici à peu près ce dont vous allez avoir besoin. On va avoir besoin de coffres. On va le poser carrément comme ceci. On va avoir besoin de hoppers. Donc ici, ce sont les coffres dans lesquels vous les rangez. Derrière, vous y mettez deux hoppers. Enfin, à chaque fois, un hopper qui envoie dans le coffre qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, vous prenez donc de nouveau des hoppers que vous mettez en fait s'appliquant dans un vide. Donc ça, c'est le hopper qu'on voit là au-dessus. Vous voyez, il pointe vers nous, mais il faut pas mettre quelque chose dans lequel on peut faire du rangement dedans. C'est-à-dire qu'il doit pointer dans du vide. On prend ensuite les comparateurs, qui doivent comparer ce qui se trouve dans le hopper. Donc on le met vers l'extérieur. Jusque-là, ça va. On prend ensuite de la redstone dust et on va descendre juste en dessous de cette redstone dust. Je peux vous faire un trou comme ça sur le côté pour vous montrer. Voilà. En dessous de cette redstone dust, il va falloir y placer deux repeaters, donc comme ceci, sans délai, qui vont dans le sens du coffre. D'accord? On peut replacer deux. De la cobble ici et on peut mettre de la redstone dust. Vous voyez qu'elle s'accroche, mais c'est pas grave du tout. Ça ne change rien. Et enfin, dernière étape, vous prenez des redstone torches et vous les placez comme ceci sous les hoppers. Voilà. Maintenant, il va falloir faire, si je puis dire, le système de tri. Donc, ça va être simple. On va faire une rangée. Donc le système d'arrivée plutôt des items que vous voulez ranger. Donc on fait notre rangée de hoppers. Donc imaginons il y a un coffre ici. Ça est aspiré et ensuite ça a besoin d'être trié sur toute une longueur de coffre. Mettons que l'on veut ranger de la redstone. Pour ranger de la redstone, il va nous falloir faire ceci et ensuite en mettre hop, 18 juste là. On veut par exemple ranger de la cobble à côté. Bah, même principe. On met ici, hop. On sépare, 1, 2, 3 et 18 ici. Vous voyez que les comparateurs se sont donc allumés et ont transmis donc un signal qui n'arrive pas encore jusqu'ici. Cependant, si je rajoute une poudre de redstone, alors on va pouvoir observer assez rapidement. Vous voyez que le comparateur, pouf, il donne un peu plus de puissance. Ça permet d'allumer cette redstone-ci qui va donc allumer le repeater. Le repeater lui va éteindre la torche qui va débloquer ce hopper-ci qui va donc permettre, bon ici c'était une redstone, de faire descendre la redstone ici. Alors, il faut au moins un bloc supplémentaire ici dans le hopper du dessous, puisque si on regarde, alors on va en mettre 9, paf, vous voyez, ça va s'éteindre tout le temps qu'ils descendent, et ensuite les 9 on va les retrouver ici. Et je peux vous montrer si je fais ça et ça. Ça va trier, ça va donc éteindre d'abord celui-ci, hop, celui-ci se rallume, ça va ensuite trier le reste. Les 11 que l'on a mis se retrouvent ici, et les autres se retrouvent là. Voilà pour le système, comment il fonctionne, quelles sont ses particularités, je vais dire, comment le construire. Donc voilà la machine en fonctionnement. Et ça, vous pouvez le continuer sur une longueur infinie. Voilà. Autre petit point qui est un peu ici personnel par rapport à ma machine, mais c'est ce système-ci qui en fait va permettre d'aller alimenter ceci. Comment il fonctionne? C'est assez simple. Hop, je vais rouvrir derrière. Le barrel, j'y pose mes items. Il y a en dessous un hopper. Le hopper va dans ce hopper-ci. On peut d'ailleurs ouvrir. Donc vous voyez, il y a un hopper ici qui va dans ce hopper-ci qui arrive dans un dispenser. C'est pour le moment assez simple. Ce dispenser,
Il est relié à un comparateur qui est relié à un repeater. Et ensuite, hop, 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 de la redstone qui revient vient un repeater, mais j'aurais pu mettre de la redstone tout court, qui revient dans le dispenser. Ce qui fait que le dispenser, dès qu'il va y avoir un item dedans, écoutez bien, tic, il tic, vous avez vu, ça s'est allumé et ça a renvoyé du courant dedans. En fait, ça va tirer donc l'item ici dans cette colonne d'eau. Si on ouvre un peu, on pourra le voir. Dans cette colonne d'eau qui en fait, vous avez vu, j'ai mis une soul sand, est composée de sources et donc ça fait un ascenseur à eau, tout simplement. Ascenseur à eau qui arrive ici au-dessus de ma rangée, donc c'est cette rangée-ci hein, que vous avez vu, d'accord? Qui arrive au-dessus donc de ces hoppers. Ces hoppers donc vont continuer, vont arriver juste là au-dessus. On les voit, il me semble, je ne les ai pas encore rebouchés complètement. C'est la rangée de hoppers qui passe là-haut tout en haut. D'accord? Qui n'est pas encore finie d'ailleurs. C'est toute cette rangée là, tout au-dessus, qui passe donc au-dessus des systèmes de tri. Et donc, si on regarde ici, voilà, hop, je vais reprendre celui qui me concerne. On est à 45. D'accord? Je vais replacer un ici. Hop, ça le tire. Et si on attend quelques secondes, on va donc passer à 46. C'est le temps que ça traverse tous les hoppers, sachant que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec la. Voilà, on est passé à 46. 46 blocs de stone. Donc voilà le système en fonctionnement. On va reboucher ici pour notre part. Je peux en mettre un là, un là, un là, un là. Hop. Il m'en manque deux, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, comme ça. Et donc en fait, ben, je vais pouvoir vous le remontrer juste après, mais ça va ici aspirer, donc du coup aller ranger au fur et à mesure. Moi je peux y déposer mes stacks d'items et ça va se ranger dans les coffres, à condition qu'ils ne soient pas pleins comme celui-ci. Mais c'est pas trop grave, sachant que les stacks de cobble, je les dégageais dans un coin, je ferai peut-être une poubelle là. Ça peut être marrant de faire une poubelle un peu marrante, quelque chose d'un peu fun ici en redstone. Ouais, je vais voir à travailler ça en créa. Pour le construire du coup avec vous une fois en épisode. Ma salle des coffres du coup j'ai envie d'y ranger donc tous les items que vous y voyez. Les items liés par exemple au sable ici. Et ensuite partir sur tout ce qui est le bois. Le bois actuellement vous avez vu ceci, j'en ai plus énormément. Mais j'ai pas encore fait le système. Alors, les jungle logs, c'est simple, c'est le troisième. Quand on part d'ici, 1, 2, 3. Je vais donc viser mon coffre et je vais faire ce que je vous ai montré juste avant. Hop, 3, 4, voilà, ça fait 18. Je peux déjà en mettre un ici. Voilà, donc il y en a 35 à ranger. Ça va être assez simple. Vous allez l'entendre. Je vais ranger mes jungle logs. Il tire mes 35 fois et quand on va voir ici, ils vont arriver. Bah voilà, ils arrivent pile comme je lui demande. Ça se range. On peut faire la même chose avec les birch. Hop. Les birch, oui, ils sont ici. 1, 2, là comme ça, celui-ci là. Hop, et j'en remets un là. Il m'en reste du coup 9. Bon, alors il y a un petit peu de perte dans le sens que vous en mettez ici dans la machinerie, mais. C'est pas non plus. Il n'y a pas Mordorm. Mordorm, ça c'est bien ça. Très belle phrase. Il n'y a pas Mordorm à ce niveau-là. Vous voyez que lui, il est encore en train d'arriver tout doucement. Bah non, c'est tout ce qui me reste. Et celui-ci va arriver assez rapidement. Sachant que vous voyez ici, rien n'a été coincé ailleurs. Et on peut même regarder. Il n'y en a pas eu. Voilà, hein, là il n'y en a pas eu. Là. C'est même plein, non, c'est pas plein, mais il n'y en a pas eu. Là, il n'y en a pas eu. Hop. Voilà donc pour le système du jour. On est du coup pas mal. Alors, vous voyez que j'ai quelques trucs encore à ranger.
manger, notamment ces types de bois-là. Il faut que j'agrandisse la salle. Il y a de l'orage dehors, c'est horrible. Il faut que j'agrandisse la salle un peu par ici. D'ailleurs, vous voyez que je vais vite être limité, donc si on regarde. Bah, il brille, lui. Hein. Baguette, on n'est pas près de le louper. Si on regarde donc, on n'est pas très très loin de tout ce qui est ferme à creeper. Donc, en continuant ici, on y est vite. Donc, la salle des coffres va continuer, je veux dire, sur une trentaine de blocs. Vous pouvez voir mes zones de minage d'ailleurs, que j'ai miné l'autre fois. Ah, c'est quelque chose, non? Donc on va continuer sur allez, 15-20 blocs et ensuite je partirai sur une petite distance par ici où je ferai le même système et je pourrais même en soi prolonger dans ce sens-ci. Alors là je vois un truc, je vois un petit souci qui ne m'arrange guère. C'était pas du tout censé faire ça. Il y en a plusieurs qui se sont bloqués. En fait, ils se sont stackés, donc ils ont été trop lourds, je pense. Si je rajoute un peu de délai. Voilà, je vais revenir dans la salle de manière legit. Parce que je suis pas rentré de manière vraiment. Pas l'air de s'être bloqué cette fois. Ils se sont pas bloqués cette fois. Mais par contre, lui, il est resté comme ça. Il aurait pas dû. Ah oui, mais c'est parce qu'il s'est mis là en fait. Il va falloir que je fasse un système en fait pour bloquer ce hopper là à chaque fois qu'il clique, enfin le débloquer à chaque fois seulement qu'il a un item. Va falloir que je travaille ça. Bah, j'avais eu le même souci en fait sur la ferme à Pigmen que je vous ai montré en début d'épisode. D'où le système un peu foireux là que j'ai fait. Va falloir que je le bloque, mais à chaque fois que lui se débloque donc. Il va falloir que j'y mette une enfin, un inverseur. Je vais récupérer un peu mes items ici. Donc lui, là, on est d'accord qu'il est bloqué. L'item il passe pas. Parfait. Mais à chaque fois que lui va s'allumer, non, il s'éteint pas. Par contre, si je fais ça. Donc là comme ça, mais il va falloir qu'il débloque une première fois. Il va falloir qu'il débloque une première fois. Et pour débloquer une première fois, faut que j'aille choper le courant dans l'autre là-haut et que je refasse tout le tour vers ici. C'est un peu compliqué. Alors par contre là j'ai un item qui a dû aller se bloquer juste ici. Où est ma redstone? La redstone a dû se mettre là en fait. Ouais, elle a dû se mettre là où il n'y avait pas de filtre encore. Alors, lui ils sont tous arrivés. Par contre lui il n'y en a aucun. Ce qui n'est pas normal. J'ai de la redstone qui a disparu. J'ai une poudre de redstone qui a disparu. C'est quand même quelque chose. Hein.
sont tous allumés, donc ça c'est bon. Bah écoutez, là je ne vois pas trop où elle a pu aller. Pas grave, je la finirai par la retrouver. Il va juste donc falloir que j'aille récupérer juste ici le courant, que je le ramène. Là, que je prenne un repeater au minimum. Le repeater, il est là. J'ai pas cassé le deuxième. Non, qu'il aille pas despawn parce que j'aime bien garder ces items là. Comme ça, et il me faut le deuxième. Donc, de toute façon, faut que j'y retourne. Bon, en gros, vous faites le système comme je l'ai fait là, il devrait pas y avoir de soucis. C'est juste que moi ici, je rajoute, je fais de l'ajout en fait par rapport à ce qu'il faut. Donc voilà. Lui, il tire, mais il se bloque ici parce que. Celui-ci. Ok, mais il reste bloqué là. Voilà, il tire même plus. C'est pas grave, je vais reconstruire ça moi de mon côté. Je vais réfléchir, je vous expliquerai ça la prochaine fois. C'est juste un petit souci mineur à régler. Je pense voir comment je vais faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Nico. Allez, bye tout le monde.